Nous avons passé une très bonne après-midi. Il y avait des intervenants qualitatifs, à la fois des maîtres d'ouvrage, de l'ingénierie, des entreprises du TP, où on a pu échanger sur nos retours d'expérience. C'était l'objectif de cette demi-journée. Les tables rondes aussi ont été riches d'enseignements. On avait également les notaires. Donc on avait vraiment une chaîne d'acteurs très, très intéressante pour nous permettre de comprendre ce qui se passait aujourd'hui. Et je crois que ce retour d'expérience est une vraie plus-value pour que l'ensemble de ces acteurs échangent et savoir où on en est et où on doit aller. Et on répond complètement à la concrétisation du plan BIM 2022. Et pour nous, cette journée a été une vraie réussite.